c'est que tout le monde connaît au moins la position de base. Oui. Debout sur le vélo, on regarde bien les sorties virages. Hein. Allez, c'est parti. Mais t'es sur une vitesse trop dure, quoi. T'as vu, t'as voulu relancer, c'était trop dur. Hein? Les vues là-haut, on va arriver trop vite, trop rapidement. Hein. Ça fait une grande et un virage à plat qui n'est pas relevé. Donc si vous arrivez trop vite, là où t'es là, hein, ça peut glisser. D'accord? Dans les virages, mettez-vous bien au relevé et regardez-moi. Évitez de tourner sur la racine, c'est bien, on peut tourner avant, après, mais des fois on est obligé de tourner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas trop freiner. Ouais, alors attention, alors s'il y a un frein qu'il faut éviter sur la racine, c'est lequel? Le frein avant. Hein, quand on perd l'avant, on est par terre. Attaquez en haut, si vous attaquez en bas, vous êtes déjà sorti. Là, on attaque là, comme ça on peut couper un peu plus. Pareil, là on ouvre. Bah, départ dans 15 secondes. 3, 2, 1. Allez, 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 allez. Pascal, c'est l'homme de terrain, c'est l'homme qui s'occupe de baliser, c'est l'homme qui s'occupe de mettre en place les commissaires. Il est là, on voit avec la radio, il n'a pas de l'oreille. Parce que la journée, alors Pascal, tendue, ou ça va se bien passer? La mise en place est un peu compliquée toujours, comme c'est la première journée. Et puis, mais bon, des bénévoles, signaleurs super motivés, tout le monde. Donc ça s'est bien passé. Alors la course, ça s'est passé comment? C'était fatigant, mais elle était bien. Ouais. Tu viens de où? Et comment t'as trouvé ce spécial? Fatigant,
lente, mais elle était trop bien. Ouais. Pas trop technique, ça va? Non, ça va. Bonjour à tous. Bah, du coup, voilà, on a le plaisir dans le cadre de l'enduro d'avoir reçu pas mal de lots, des lots de chez Cyclome, des lots de Aurélien Fontenoy, des lots de chez Easy Rider. Donc il y a pas mal de choses à gagner. J'espère que tous les participants des kids sont là. Tu as quel âge? 8 ans. Alors ça s'est passé comment, ces 4 spéciales à 8 ans? Le prix de quoi vous soignez les lèvres quand on est au soleil comme ça. Et ça, c'est offert par Monter Mon Nature. Bon, bravo les gars. Alors, pour certains, vous allez passer en cadet, donc vous pourrez faire plus grand partie. Bravo à tous les trois. David, qu'on ne présente plus, c'est l'homme de l'enduro de cette tour, absolument. On peut le dire, c'est celui qui, tout au long de l'année, eh bien, travaille à la construction de cette épreuve et puis qui, dans les jours précédents, ouais, est très présent sur le terrain. Cette première journée, David, tu l'as vécu comment? Bah, écoute, c'est comme d'habitude, il y a beaucoup de stress avant que ça démarre. Et puis au moment où ça a démarré, bah, ça y est, c'est parti et ça roule. Donc je suis content, les jeunes ont bien roulé, ils étaient contents des parcours. Mais je trouve que le soleil est là. Et vraiment, c'est. Et puis c'est normalement, il est encore là demain avec nous. Là, et demain, il sera là. Et demain, c'est une belle épreuve. Alors, on a eu déjà quelques retours. Comme d'habitude, il y en a qui trouvent que c'est. Il y a trop de pédalage. Il y en a qui trouvent que c'est trop pentu. D'autres qui trouvent que c'est pas assez pentu. Et voilà, c'est l'enduro. Bah, c'est comme d'habitude. ça va pas nous émouvoir. Ouais. On va les laisser rouler, on verra. Ouais. Merci, David. Oh.
Merci Vincent, on va faire la remise des prix de la course. Et après on passera à la remise des prix. Et vous avez de quoi soigner vos muscles et vos lèvres. Ça c'est offert par Montémont Nature. On a plein de partenaires, on a des communes qui nous soutiennent, le département, la communauté de communes. Allez, on peut applaudir ce podium féminin parce qu'elles ont fait exactement pareil que les garçons. Merci à Tim Ben et la demi à notre échelle.